Et bonjour à tous et bienvenue. Oula, le son était un peu fort, je suis désolé. Vous avez peut-être entendu le son du jeu quand il s'est lancé. Bref, quoi qu'il en soit, épisode. Je ne sais plus combien, de Bleach. Attendez une seconde, je regarde. Donc. Souls. Épisode 21. Épisode 21 de Bleach. Voilà, de Bleach Brave Souls. On est parti pour une heure de let's play. Bon, je commence malheureusement par un petit temps de chargement. Eh ben, j'en profitais pour en parler un petit peu. Oh, elle est géniale. La musique comme ça d'entrée, elle est géniale. Je peux pas vous la mettre malheureusement. Mais bon. Alors, mais par contre, je vais vous parler donc des musiques que j'utilise en arrière-fond. Je vais voir peut-être là. On a, pendant 15 épisodes, vous avez eu les mêmes. Je vais peut-être changer. Je vais en trouver d'autres parce que j'en ai marre de me faire flaguer par Sony. C'est pas des strikes, hein, je vous rassure, c'est pas des strikes, c'est juste des flags. Donc ça interdit les vidéos en Nouvelle-Zélande ou Japon, enfin voilà, mais pas en France. Mais je vais voir pour changer, je vais trouver autre chose qui colle. Mais là à partir de l'épisode 15 en fait, hein, je vais changer ça. Donc bah là ça aura fait 5 épisodes que vous aurez vu le changement, hein, je suis désolé. Mais voilà, je suis en train d'uploader les épisodes là en même temps que je vous parle là même. J'ai l'épisode 7 qui est en cours d'upload là. Donc ouais, je suis un petit peu en retard là sur les uploads, hein, clairement. Mais bon, vous aurez donc ce... Comme prévu. Vous aurez normalement la première partie de ce let's play en quotidienne pour les vacances d'octobre. L'autre moitié pour les vacances de Noël. Vu que les quotidiennes, c'est pendant les... Ou alors je sais pas si... Enfin je sais pas encore. Au moment où je vous parle, là on est encore en septembre. Donc normalement je prévois cette série pour octobre. Enfin voilà, ça ce sont les secrets de tournage. Alors, petit tour rapidement des... Alors je vais repasser encore un peu le son du jeu. Voilà. Petit tour rapidement sur les personnages que j'ai. Donc la team toujours Stark, enfin la team principale qui est toujours la team Ichigo Stark Byakuya. Ensuite, actuellement j'ai la team en cours d'entraînement Ichigo Mayuri et capitaine de la 3ème division. Je sais plus. Joshua, un truc comme ça. Bref, voilà. Et donc j'ai au niveau ici des personnages. J'ai donc 3 personnages niveau 100. 4 peut-être. 4 personnages 5 étoiles niveau 100. Je suis en train de faire. Oh, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas ce que je veux. Oh, je suis en train de faire évoluer Abarai, mais. Ok, d'accord, je suis de retour à l'écran titre, tout va bien. Je suis en train de faire avancer à Barai, mais avec des... Donc, Renji, avec... quand je récupère, en fait, des cristaux d'expérience. Là, actuellement, je peux pas le faire évoluer plus. Il me faut plus de cristaux verts et des cristaux d'expérience. Allez, relance-toi le jeu. Bon, et on va continuer notre série. Eh, qu'est-ce que tu me fais? Ok, donc petit souci, on va relancer le jeu. Je suis désolé. Donc bon, bah, petit souci de voilà, petit souci là, bon bah de début d'épisode. On est reparti. T'as même l'image d'intro, elle est magnifique quoi. Ok, c'est bon. Donc, on est reparti pour le mode histoire. J'ai pas regardé mon nombre de tickets, mais normalement, je dois être à une trentaine, si je dis pas de bêtises. Oui, alors, également, en fait, pourquoi mes personnages ont autant évolué? C'est simplement parce que, voilà, j'ai commencé le mode histoire en hard. Mais ça, vous le verrez pas en caméra. Hop, je re-switch en normal. Mais je suis en train de refaire tout le jeu en...
en difficulté hard pour pouvoir gagner des orbes, pour pouvoir... voilà, pour tout ça. On en était... Ouais, c'est ça, on en était à la 8e partie, The Past. Ah oui, c'est ça, c'était les explications. Alors, je sais plus où on en était à l'épisode précédent, mais ça va me revenir. D'accord, donc je vois vis-à-vis de la vignette précédente, là, c'était l'histoire de Byakuya enfant et sa rivalité avec avec Yoruichi. Donc ouais, c'était un petit aspect voilà, c'est un aspect vraiment secondaire. Et là, apparemment, on repart un petit peu sur l'histoire de Urahara. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnages 6 étoiles, hein, mais j'en ai pas malheureusement. Ça serait super génial qu'on en ait. Je vais prendre 1 heure d'esprit bonus. Voilà. Non, pourquoi un niveau. Non, je vais prendre un niveau beaucoup plus inférieur. Tiens, hop. Petit niveau 1 là. Isha JP. Voilà. Sais pas ce que je pourrais trouver en musique. Là pour le moment, j'ai juste pour, je reviens sur le tournage. Là actuellement, les 15 premiers épisodes sont montés et en cours d'upload sur ma chaîne au moment où je vous parle. Donc à partir de l'épisode 15, je vais changer la musique. Mais moi, je sais pas encore quelle musique je vais mettre. Vous le saurez. 9 years after, become capitaine. Ouais, voilà. Donc là, c'est la promotion. Quoi? Oh non, putain. C'est la promotion de Urahara qui devient capitaine, donc de la 12e. Oh, c'est pas vrai, il m'a imaginé. Bon, ok. Oh purée, je m'en prends. Oh la vache, je suis en train de m'en prendre plein la mouille. Ok, j'espère vraiment qu'il y a de la vie là-dedans. Ouais, il y en a. Bon, j'utilise mes ultis, hein. C'est bon, ça le fait. Je vais utiliser mon deuxième ulti, mais... Oula, c'était chaud ce niveau. Ok, puis j'ai récupéré trois personnages que je pourrais fusionner avec... avec Niel, vu que c'est elle que là j'essaye de monter sa limite au niveau 80. J'aimerais vraiment avoir Niel dans mon équipe principale. Ça serait... quoi, c'est déjà le moment où... Ils vont déjà faire une coupe au moment où ils quittent le... Où la 9e division quitte le... Donc c'est ça, hein. Donc Ken, le Vizard, hein, qui est devenu un Vizard après, c'était le capitaine de la 9e division, il me semble.
Et la neuvième, il me semble que elle, sa spécialité justement, c'est d'agir. C'est le rôle de la neuvième et de la treizième division, c'est d'agir principalement dans le Rukungai. Donc en périphérie du Gotai. Ils deviennent vraiment plus chauds quand même les personnages là. Enfin les ennemis, je veux dire. Ok. Donc faut jouer un peu plus sur les esquives là, sinon. On n'est pas rendu. Ok. Bon, bah ce niveau-là, il a été géré, par contre, sans problème. C'est cool. Je vais essayer. Je sais pas combien je suis de. Je vais regarder rapidement. Oh, je suis qu'à 87. Donc ça fait 97 avec les 10 que je viens de gagner. Si j'arrive à avoir suffisamment de. En fait, c'est con. L'histoire, elle est dans les. L'histoire réelle. Allez, je vais vous montrer. Là, elle est là en fait. Elle est dans le rapport. Elle est ici dans le. Dans l'explicatif de la story en fait. Donc là, ça explique le moment où Kensei en fait. Ouais, donc en fait, c'est le moment où Kensei en fait, il est en dehors du. En dehors du Gotei 13 avec ses. Avec ses. Avec bah, ses lieutenants et sa division quoi. Et qu'ils éradiquent des holos qui traînent dans le Rikungai. Voilà, ça raconte ça en fait. Il y a pas mal de personnages qui. Enfin de personnes qui arrivent à avoir des personnages 6 étoiles. Il faudrait vraiment que j'arrive à en décrocher aussi moi. Bon, Aizen. Ouais. Voilà, puis Mashiro, donc, c'était sa vice-capitaine à l'époque. Et Kaname était le. Je sais plus si c'était le premier siège. Ça devait être. Non, ça devait être le deuxième siège de. De Kensai. Non, bah là, je les one shot, tranquille. Bon, bah pour le moment, c'est géré, tout va bien. Je crois même que j'ai pas été touché. J'ai pas été touché. J'ai pas pris un point de dégâts. Donc. Ah, ça y est, j'ai pris des points de dégâts là.
Je sais pas, j'avais envie d'utiliser maintenant. Voilà, ça c'est réglé. Ok, est-ce que tout le monde va bien? Ouais, donc là, il sort d'un gros combat avec les holos, tout va bien, personne n'est blessé. Isagi, je sais plus. Ah, c'était Isagi, ouais. Ouais, à l'époque, Isagi, donc qui est dans le présent, qui est vice-capitaine, en fait, il avait été sauvé par Kensei à l'époque. Bon, ça c'est encore du background d'un personnage secondaire. Kensei, c'est honnêtement pas un des vice-capitaines qui m'a le plus marqué dans la série. Asagi, je veux dire. C'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils portent le même numéro, Kensei et Asagi. Ils portent le numéro 69. Je sais pas pourquoi 69 d'ailleurs. Mon avis, ça doit pas avoir le même rapport. Je vous rappelle qu'on est au Japon, à mon avis, ça doit pas être le même rapport à ce chiffre-là qu'en France. Ah oui, alors voilà, là ils font un rapprochement bizarre. Il y a 10 holos qui sont apparus. Et bizarrement, il y a eu 10 disparitions dans le Rikungai qui ont eu lieu la semaine précédente. Donc là, ils font le rapprochement et. C'est un truc qui cloche. Alors je vous donne le truc hein. C'est qu'en fait comment le en fait c'est Aizen qui commence déjà à faire des expériences sur la holification. Voilà, donc là Mayuri qui est au centre de recherche et développement, qui commande un peu Iori qui. Enfin voilà, qui cœur peut plus, qui est vraiment pas fait pour le boulot de scientifique, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc c'est un petit peu l'engueulade entre Yuri et. Voilà. Ouais, Mashiro. Alors, Mashiro, c'est. Alors, Mashiro, vous savez, c'est une des bizarres. Là, elle est en train de dormir, mais. Limite, elle est en train de se ploter pendant qu'elle dort, quoi. Voilà. Et là, ils se font surprendre en pleine nuit. Ils se font surprendre en pleine nuit et ils sont attaqués. Et en fait, c'est Aizen qui les a choisis pour cible pour leur prochaine holification, quoi. Et c'est là, c'est cette expérience d'holification qui va marcher en partie et qui va faire que. Ils vont devenir des visards, en fait. En fait, c'est Aizen qui les a transformés en visards. Parce que Aizen fait des expériences là-dessus. En fait, Aizen a un seul but, c'est de devenir toujours plus puissant. Enfin, tous les Shinigami ont cette soif de puissance. Mais Aizen, c'est le niveau. Comment dire? C'est le niveau extrémiste, en fait. C'est que lui, il est prêt à aller. À briser le tabou, en fait. C'est-à-dire que pour être plus puissant que les Shinigami, il est prêt à briser la barrière entre les Shinigami et les Holos. Donc, il est prêt à devenir un Shinigami Holo, quoi. C'est vraiment ça. Qu'il essaie de faire, c'est vraiment briser la barrière en mélangeant ses pouvoirs de Shinigami avec les pouvoirs des Holos. Donc, il a réussi plus ou moins avec les Vizards, mais en fait, il va atteindre encore un niveau au-dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça vient dire que je sais plus ce qu'ils se disent, non, mais ok, ouais, c'est ça. Et en fait, là, Imari elle va se barrer du labo parce qu'elle en a ras le bol.
et elle va rejoindre les autres qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il m'arrive à également devenir une... Ayori, j'ai dit. Pardon, Ayori va devenir également une Vizard. C'est parce qu'elle va rejoindre Oula, là j'ai deux gardes face à moi. Allez, brise la garde, c'est bon. Esquive. Tranquille, tout va bien, tout se passe bien. Allez. Comment? Et c'est, ouais, c'est parce qu'elle va rejoindre les autres qu'elle va devenir une bizarre. Et après, Urahara va débarquer un peu plus tard, mais il va arriver trop tard pour devenir lui-même un bizarre en fait. Mais c'est lui qui va aider les autres à compléter leur qualification. En fait, ça va être un peu compliqué, mais à mon avis, ça va être expliqué. En fait, Aizen, son expérience de qualification va marcher, mais il va pas aller jusqu'au bout. Il va laisser ses sujets d'expérience mourir en fait. En fait, ils vont. En fait, les sujets vont se retrouver submergés par leur propre holo intérieur en fait. C'est ça qui va se passer. C'est qu'ils vont, ils vont être submergés par leur propre holo intérieur et sont sur le point de devenir des holos en fait. Ils vont comme Ichigo lors de son entraînement pour maîtriser son masque de Vizard, il se transformait en holo le temps de pouvoir prendre de pouvoir battre son holo intérieur. C'est exactement ce qui va se passer avec les Vizards du passé et c'est ça qu'on va voir en fait. Et c'est grâce à... Et en fait c'est comment? C'est Urahara qui va trouver la solution pour... Ras-le-bol de votre pouvoir de... Voilà, bon, pour ton dernier point de vie, prends-toi un ulti. Oh, ça rime. Pour ton dernier point de vie, prends un ulti. Bon, allez. Comment? Et ouais, et en fait, le truc, c'est que voilà. En fait, Aizen faisait des expériences sur la barrière entre les Shinigami et les Holo. Mais en fait, Urahara faisait les mêmes expériences, mais dans un cadre plus éthique. Et c'est en fait Urahara qui a créé le Ogyoku, qui permet en fait de... Enfin, qui est un artefact tellement puissant qu'il arrive à briser la barrière entre Holo et Shinigami. Mais, comment? Urahara faisait ça vraiment par curiosité, dans le but d'étudier les différences fondamentales entre les Holo et les Shinigami. Aizen, lui, veut l'exploiter. C'est toujours ça, en fait. C'est vraiment les deux cadres de la science, quelque part de la science. C'est qu'il y en a qui font ça pour la soif de connaissance, et l'autre qui fait ça par soif de pouvoir. C'est vraiment ça, c'est vraiment un combat d'éthique scientifique, enfin voilà quoi. C'est en fait ça la rivalité entre Aizen et Urahara. C'est qu'il y en a un qui a le sens éthique et l'autre qui l'a pas quoi. Bon après l'éthique c'est pareil, hein. Le sens éthique c'est très relatif. Hein. Mais voilà, je veux dire, même si c'est très relatif, là, il y a vraiment un gouffre entre les deux. Hein. Enfin, bref. Et c'est quoi cette vie qu'ils ont, eux? Ok, j'ai battu 100 ennemis aujourd'hui. Ça me donne la possibilité d'avoir 7 tickets en plus pour...
Bon, je voulais surtout avoir l'ennemi qui gèle parce que c'est lui le plus chiant. Est-ce qu'il vous gèle pendant que les autres pendant que les autres vous butent, et ça, c'est très très chiant. Non! Pourquoi t'y retourner? C'est pas possible. C'est bon, ça le fait. Allez, on recule. C'est bon. Pars-toi! Bon, je suis un peu mal barré, mais ça devrait le faire. Je vais pas me mettre en automatique et déjà attendre que mon allié fasse le plus gros du travail. M'attaquer au sbire. Au sbire qui gèle. Ok, il a fait le... Ok, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et là, ça devient nettement plus dur. Hein. Attendez, je vais la tirer ailleurs parce que là, il... Oh là là, il était hors caméra. Oh purée, je me suis fait avoir. Bon bah, j'aurais pas... Bon, bah, il va me manquer une perle. Et il va me manquer deux perles. Je voulais switcher au dernier moment et j'ai mis plus de 3 minutes, j'y crois pas. J'ai mis plus de 3 minutes à ce truc-là. Bon. Bah je la referai avec mon équipe niveau 100. Je la referai avec mon autre équipe. Parce que là honnêtement c'était facile à faire mais c'est quoi ces vies qu'on les ennuie maintenant, enfin c'est ouf. Pourtant ils sont que niveau 37 et pourtant je galère. Je suis niveau 100. Allez, Toshiro. J'aurais peut-être dû... Ouais, je devrais peut-être utiliser un peu mes bonus quand même. Utiliser un peu d'argent dans les bonus. Je galérerai un petit peu moins, je pense. En arène, une astuce dans les arènes, n'hésitez pas à lésiner sur les 10% de bonus en focus, en stamina, en tout ça. N'hésitez pas. Honnêtement, c'est une aide, c'est une grosse aide. Parce que c'est déjà pas facile à gagner les combats d'arène de base. Mais alors quand sans les bonus, c'est quasiment impossible. Ah ouais. Voilà, ouais, donc le Gotaeta est tenu au courant que... Enfin, comment? Je sais pas comment, mais ils ont été tenus au courant que, voilà, ils sont tombés dans une embuscade. Le commandant dit de ne pas intervenir parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Et il demande à deux personnes... Voilà, il demande à deux personnes extérieures de venir pour regarder ça. Puis vous les reconnaissez. Donc ce sont deux maîtres du Kido. Le premier, vous le reconnaissez, celui tout à gauche, il est devenu par la suite l'employé d'Urahara, dans la boutique d'Urahara. J'ai plus son nom. Et l'autre, c'est Ichi.
Hachi, pardon, c'est Hachi. Donc Tessa et Hachi, voilà, qui sont. C'est eux qui vont être envoyés par la Soul Society pour aller voir ce qui se passe en fait. Voilà, et donc comment? Mais par contre, voilà, il manquait Lisa. Il manquait Lisa dans le puzzle également. Donc il y a le capitaine de la je sais plus si de quelle division. Enfin, voilà, j'ai plus son nom non plus. Shinchui, voilà, Shinchui, qui envoie Lisa en fait être ses yeux et ses oreilles auprès de ce qui se passe là-bas. Donc voilà, donc et c'est là que Lisa bah, va devenir également une bizarre en fait. Donc là, tout le monde est en route pour ça, quoi. Tout le monde est en route vers là où l'expérience d'Aizen a lieu. Et donc, c'est ainsi que vont naître les Vizards. Son masque à Lisa, enfin, je le trouve simpliste, mais en même temps efficace. Je veux dire, au niveau visuel, j'entends au niveau visuel. C'est juste une croix qu'elle a en plein milieu de son masque. Une croix qui passe, donc une sorte de plus, hein. Le plus passe au niveau de ses yeux et au niveau de son nez, en fait. Ça fait vraiment un plus sur son masque. Je trouve ça à la fois simpliste et efficace au niveau visuel. Genre cette esquive. D'où t'esquives ça, toi? C'est bon, j'ai brisé sa défense. Voilà, c'est ça la version de Toshiro que j'aimerais bien avoir. Voilà, et quand Iori et Lisa tombent sur Kensei. Voilà, il y a Shinji qui rejoint en plus Imari, tout ça. Voilà, donc là tout le monde rejoint. Tout le monde est. Tout le monde se retrouve sur place, quoi. Et donc là, Kensei est en train de se transformer en holo. Donc il est actuellement en fait en combat intérieur avec son propre holo, quoi. Donc là, on a les trois divisions. Enfin voilà, on a les quatre capitaines qui vont être transformés en Vizard. Donc Shinji, Love, Ken, et puis le troisième, j'ai jamais son nom. Je suis désolé, le blond là, j'arrive jamais à retenir son nom. Donc déjà, ces quatre là vont être transformés en Vizard. Parce qu'en plus, voilà quoi, les Vizards avaient des niveaux de capitaine. C'est juste ouf hein, quand on se rend compte de ça. C'est vraiment grâce à The Past qu'on comprend la réelle puissance des Vizards. Parce que les Vizards, on avait ju juste vu Shinji se battre un petit peu. On avait eu une toute petite démonstration de leur pouvoir lorsque Ichigo a battu sa holification. Mais en fait, on les a jamais. Enfin, on n'a pas idée de leur niveau. Et là, en fait, The Past, ça permet ça. Ça permet d'avoir une idée de leur niveau de leur puissance de combat, quoi. Voilà, lui. Alors, c'est Rose. Voilà, Rose. Je me souviens jamais de son nom, lui.
Ok, Lisa vient d'arriver sur place également. Ok. Bon, là j'ai tout. Ok, j'ai Yorick, Mayuri qui est à fond. Donc je vais le changer. Edit. Ouais. Alors, hop, je vais juste éditer mon équipe. Le temps de changer Imari par Iori par un autre. Allez, Matsumoto. Ah, par contre, attendez, on va juste essayer de faire ça. Hop. Non, alors, ce que je veux, c'est échanger en fait. Voilà. Je voulais mettre Yoshiro avant. Là, je regarde juste mon niveau de batterie. 33%. Ouais, je vais brancher mon téléphone. Hop. Excusez-moi. Alors. Ouais. Juste une toute petite seconde. Ouais. Ah, c'est pareil. Bon, voilà. Excusez-moi. Ouais, j'ai un logiciel. Bah, c'est AVG qui en fait quand je me branche en fait va optimiser le téléphone et va donc relancer toutes les applications qui sont en cours pour économiser de la mémoire et aider au chargement en fait. Donc excusez-moi. Donc on est reparti. Une seconde. Je pense avoir une petite idée pour pouvoir en fait peut-être récupérer la musique du générique de Bleach mais dans son originalité et intégralement parce que je dois pas la trouver sur internet je crois. Ouais allez hop on continue l'histoire. Je me posais la question de récupérer les gifs tout de suite mais je me suis dit non on va continuer comme ça. Ok, alors ce coup-ci, on est reparti. Et maintenant, on a Matsumoto dans l'équipe qui s'entraîne. Voilà, Kisuke désobéit aux ordres du head capitaine. Ouais, alors ok, d'accord. Donc le commandant, c'est le head capitaine en anglais. Et de rejoindre Iori et Shinji. Voilà. Et, sauf qu'il va arriver trop tard, mais le temps qu'il arrive... En fait, il va arriver trop tard, mais pas trop tard pour sauver l'équipe qui est sur place, en fait. J'utilise un peu mes bonus, sinon je vais pas m'en sortir. Bon, on arrive à 40 minutes, je le vois. Attendez, juste pour remettre mon micro correctement. Je vais jeter un oeil juste à mes uploads. Ok. Ouais voilà, en fait donc comme ça a été dit donc il comment
Kisuke, donc Urahara, il désobéit, c'est-à-dire qu'il décide quand même de rejoindre l'équipe, mais il se fait prendre par Tensei qui lui dit: je vous laisserai pas y aller seul. Bon, donc c'est là que Tensei rejoint Urahara en fait, et en fait ne le quittera plus jamais en fait. C'est vraiment le. C'est un peu l'histoire des personnages, mais enfin, c'est juste voilà, c'est juste une promesse en l'air en fait que Tensei tient quoi en fait. Parce qu'en fait, les événements qui vont suivre en fait vont faire que Tensei va décider de rester avec Urahara, notamment pour l'aider, enfin voilà quoi, pour l'aider à s'occuper des Vizards dans un premier temps. Mais finalement, les Vizards, après, une fois arrivés dans le monde humain, en fait, vont demander à être leur indépendance quelque part et à se débrouiller sans Urahara. Donc, ils vont un peu couper les ponts avec Urahara, mais à la réapparition de leur ennemi commun, à savoir Kisuke Ura, non, pas Kisuke, Aizen, ben ils vont se réunifier quoi quelque part. Enfin, ils vont. Bon, je profite qu'ils soient tous groupés, hein. Voilà. Tranquille. Là, je viens de faire un carton là. Avec mon ulti, j'ai buté tout le monde. Bah ok. En plus, je récupère des cristaux verts. Je suis à combien d'orbes là? Plus 33. Bon, on va continuer, on n'est qu'à 42 minutes. Hop. Tiens, bah justement, on va prendre Tensei. Ah, elle est géniale la musique. Si vous savez ça, honnêtement, si vous jouez au jeu en même temps que vous voyez le let's play, ou honnêtement, les musiques sont absolument géniaux. Ça se passe un peu mieux là. Bon, j'ai été touché. Purée, encore des gardes. C'est bon, je leur ai brisé leur garde. C'est bon, wow. Bon, je sais pas pourquoi j'ai un message, là, téléchargement impossible pour le moment, là, qui s'affiche régulièrement. Je sais pas à quoi ça correspond sur mon téléphone.
crois que j'ai brisé la garde du premier. Et je viens de briser la garde du second. Ok. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Ok, encore une fois, si j'arrive à se regrouper, non. J'ai vu que j'étais mal orienté. J'en butais qu'un. Bon, tant pis, je tente tout de suite. Moi, j'en ai eu deux. Ben, il me reste plus que le principal. Ouais, ok. Je vais me tirer, je vais essayer de laisser un petit peu mon partenaire faire sinon. C'est bon. Eh, c'était juste quand même au niveau du temps, hein. Ok. Bon, c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoutez, on va se faire ce dernier truc. Et puis comment? On va se faire là ce dernier niveau. Et on verra le boss de ce niveau pour l'épisode prochain. Que je vais tourner à la suite. Je vais me remettre après des bonus d'XP et tout ça, mais... En tout cas, je compte refaire des jeux mobiles. C'est clairement, c'est agréable à tourner, c'est agréable à jouer. Là c'est vraiment parce que le jeu, j'avais un gros coup de cœur parce que voilà, c'était sur ma série préférée. Mais honnêtement, je pense que je ferai d'autres let's play comme ça sur téléphone. Plus avec comment? Avec le Lollipop Recorder, honnêtement, c'est pas une contrainte de tourner, j'ai pas utilisé un émulateur ou quoi que ce soit. Et honnêtement, ça je trouve ça génial. Ok. Putain, mais encore plus d'ennemis les gens. Oh purée, non mais vas-y, gelé, empoisonné. Tomate, salade, oignon. C'est lui que je veux, c'est lui que je veux. J'en ai rien à foutre du poison, tout ça, je veux pas être gelé. Oh, génial. Je crois que mon personnage a compris. Parce qu'il est passé à travers les gardiens juste pour aller buter l'autre qui gelait, quoi. Tranquille. Non mais... J'étais désorienté. Bon. Hop. Un peu de vie, ça fait du bien. Je dis pas non. Oh, vas-y, encore un tableau. Oh purée! Oh je suis mal. Oh je suis très très mal.
Non, c'est chiant ce message qui apparaît toutes les 2 minutes là. Oh là! Oh mon Dieu! Je viens de me prendre une claque! Je l'ai vu! Vous l'avez vu aussi? Je me suis pris une claque en plein milieu de la tronche. Bon bah tant pis, j'ai utilisé 2 perles pour ça, enfin 2 orbes. Parce que là, clairement. Bon, par contre, les pouvoirs de. D'accord, ok, j'ai 2 Matsumoto sur le terrain, tout va bien. J'ai même pas eu le temps d'utiliser mes ultis. Bon, allez! Oui, je vais utiliser des orbes, allez. Ah bah résultat, d'accord. Bon, j'ai repris Ichigo, hein. Mais non, mais c'est pas eux qu'il faut, c'est occupe-toi d'avoir des sbires. Mais pourquoi tu fonces sur lui? Vire-moi l'auto. Voilà, occupe-toi de lui, occupe-toi de lui. Maintenant. Purée! Ouais, c'est chaud là le niveau, hein. Mais genre... Mais merde! Je me suis pris de tollé! Mais je me suis pris de tôle! C'est pas possible! Ouais bah là oui bah là oui merci je me prends oui là je me prends carrément 0 orbe là, enfin limite quoi. Purée j'ai récupéré 2 orbes sur ce niveau quoi. Et même pas parce que j'ai consommé 4 orbes pour pouvoir terminer ce niveau. Oh je suis dégoûté. Bon voilà Aizen Secrète Machination. Bon bah voilà vous avez le titre du prochain niveau. Je récupère mes orbes. Combien je suis? Je suis plus 40 là. 123, ok. Bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Comme quoi, bah, le jeu, il monte carrément très vite en difficulté. Parce que là, clairement, mais pour le niveau 245 là, mais je me suis pris mais plein la tête. Clairement, là, j'avais jamais galéré autant. D'ailleurs, je pense que je vais prendre mon équipe de niveau 100 pour le boss final là. Je vais pas entraîner pour ce coup-là parce que clairement ça le fera pas. Donc et bah sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour l'épisode 22 de